Alors, ben, la journée elle a commencé super bien parce que dès le début, j'ai été très très bien encadré par les coachs équipe de France. Donc, je tiens à les remercier vraiment. Ça, c'est le premier remerciement que j'ai envie de faire à Cyril Vaillant et à Mathieu. Vraiment, vraiment, ils ont assuré. Ils m'ont mis en confiance dès le début. Ils ont géré ma chauffe correctement. Le squat commence. J'avoue qu'au départ, les ressentis n'étaient pas fou, fou, fou. Mais au final, en revoyant les vidéos, j'ai commencé à me mettre dedans, à me mettre en confiance. J'avoue que j'étais sous pression un peu, voir toutes les nations s'entraîner autour de moi, enfin s'échauffer autour de moi. J'étais un peu perdu, je n'avais pas mes repères. Donc au final, le squat se passe bien. Je manque la médaille au poids de corps, c'est pas grave. Ensuite, on arrive sur les développés couchés. Donc je fais une 230 au développé couché. Franchement, j'étais super content. Encore une fois, la médaille, elle est loupée, mais c'est pas grave. Et ensuite vient le TR où là, j'ai lâché les chevaux, j'ai donné tout ce qui me restait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un SBD dans la même séance. Donc franchement, ça, c'était épuisant, mais on n'a rien lâché et on a tout donné. Content pour tes premiers championnats d'Europe? C'est ça, super satisfait pour mes premiers championnats d'Europe. J'ai réussi à valider tous mes essais. J'ai eu un seul rouge de toute la compétition. Donc ça, c'est vraiment, 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 vraiment satisfaisant.